Alors, les copains, alors là j'ai des boosters Marvel. Donc ça se présente comme ça dans les supermarchés. Donc j'en ai ouvert un déjà, n'est-ce pas? Et comme ceci. Donc il y en a plusieurs. Donc on a Thor et Iron Man, Capitaine America et Hank Way, Spider-Man et Doctor Strange. Et encore une fois, Iron Man et Thor. Voilà. Donc on les trouve au supermarché. Le booster, il est à 6 euros. Donc j'en ai déjà ouvert. Si jamais j'ai le temps, je vous les montre. Ça, j'ouvrirai une prochaine fois. Donc on va les ouvrir et on va voir ce qu'on trouve. Alors. Ah zut. Alors, juste un instant. Ils sont là. Donc, j'ai des ciseaux. On va essayer d'ouvrir ça correctement. Voilà. Alors. Bien. Donc là, nous avons la Panthère Noire. Hulk contre Iron Man en armure Hulk Buster. Là, nous avons Capitaine America et Iron Man. Et au fond, tous les Avengers du film. Ah, ça glisse. Hop là, hop là. Ensuite, une rare. C'est Hank Way. Ensuite, en dessin animé, on a. En dessin animé, en bande dessinée, le Faucon. Et là, je dirais que c'est la maison du Docteur Strange, d'après le manteau. Voilà, Docteur Strange. Et c'est la verrière qui entoure sa grande maison. Il a une fenêtre avec un dessin comme ça. Ensuite, le prochain. Alors, essayez de pas déchirer. Parce que avec les images, je veux faire un fond, les coller, mettre une mitte dessus et ce sera plus agréable pour une autre ouverture, d'avoir une belle présentation. Alors, nous avons Hank Way, la Veuve Noire, Natasha Romanoff. Là, Iron Man. Ok. Ah, une rare, Hulk. Et c'est le Hulk du film. Ensuite, Gamora. Donc ça doit aussi être une rare. Là, je la mettrai en pochette. Et Capitaine America en noir et blanc parce que on peut colorier moi. Mais bon, ce serait dommage. Ensuite, donc il y en a 198 à collectionner, donc dans les 200. Hein. Donc là, ça t'en fait des doubles. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, c'est quoi ça? C'est rien. Ah, c'était Noël, sûrement chez les petits Chinois. Alors là, nous avons Médusa, Daredevil et l'homme fourmi. Et c'est avec Daredevil. La Vision. Là, nous avons War Machine. D'après moi, c'est tiré du film. Ah, Hulk en rare. Et parmi les. Le dessin, c'est comme au début. Dans les premières bandes dessinées. Miss Hulk en super rare. Et le Bouffon Vert. Dernier booster. Et hop là. Là, nous avons. Pourquoi 1983? C'est une date. Alors, je suis intrigué. Ah, c'est Marvel Fanfare de 1983. C'était une couverture d'une bande dessinée vendue aux États-Unis. Bon, ça a été édité en France. Ça, je reconnais pas. Ah, l'Enchanteresse, Amora, comme la moutarde.
Ensuite, Natacha Romanoff, la veuve noire. Ila Onkwe. La vision et Hulk. Et derrière. Non, rien. Et là, nous avons Hulk comme ceci. Voilà. Ben, y a aussi un classeur. Donc je verrai quand je pourrai me le procurer parce que c'est pas facile à trouver. Donc les copains, moi je vous dis ciao ciao.